Allez les gars, on est parti pour une petite game coaching avec la Omen Squad. Et donc merci à Omen d'ailleurs de sponsoriser les live coaching. On est parti, donc on fait un nouveau concept où on va jouer avec 4 viewers. Donc ça va être assez physique pour moi. On va essayer de faire le maximum pour que ce soit agréable également pour vous. Ok, on va aller ici. Alors on a pris une Pink Ward level 1. Alors je pense que maintenant, avec le nerf des golds de la jungle, il peut être intéressant de ne pas prendre de Pink Ward level 1. Parce que au premier clean, on a bien la Lucidity Boots, on les a. Mais en revanche, au deuxième clean, on n'a pas le Shin. Jusqu'à 400 SVP. En termes de level, pour dire ça, c'est entre Gold 1 et Silver 4 overall. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et donc on va regarder un petit peu ça. On a évidemment les bins qui vont nous aider à pouvoir macro entre les personnages. Et on va essayer de s'occuper un peu lane par lane. Donc je verrai pas de bout en bout tout le monde. Donc là on va essayer de profiter par exemple de ces moments là. Le moment où au début par exemple les prises de la site. Donc là on voit en bot lane ils ont déjà pris la priorité un petit peu. En tout cas ils essaient de la contester un petit peu. Je pense que prendre le level 2 c'est un bon plan. On va y voir au top. Top le level 2 est très important. Je pense plus qu'au mid. Je pense que la transition mid level 2 est moins importante overall que les autres lanes. Même si là au mid c'est contre un Fizz. Je pense contre un Fizz level 1 faut... Je pense pas hésiter à lui mettre quelques dégâts des fois. C'est pas un perso qui peut vraiment répondre. Les persos qui level 1 sont un peu à chier. Et je pense qu'il en fait bien partie. Hein. Alors, ok. Le jungle en face est un Udyr. Donc, on verra s'il mid-vade ou pas. On va aussi focus surtout sur nos mates. Alors, je vais pas beaucoup regarder la minimap parce que je vais surtout regarder mes mates en l'occurrence. Tac. Donc, je pense que les transitions de level en top et bot, c'est globalement, je trouve un peu plus intéressant qu'au mid. Même si, bon, ça y a des exceptions et overall, contre un Z, t'as bien envie d'avoir ton level 6 avant par exemple. Au top, en termes de stuff, alors au top, faut bien comprendre qu'il est contre une Fiora. Donc, Fiora, c'est un personnage qui est plutôt fort en 1v1. Après, Shen, c'est pas sans reste, hein, c'est extrêmement fort aussi. Au top, il a plus beaucoup de life. On va essayer de l'aider. On va voir. Au mid, il back. Il joue Tear of Goddess, pourquoi pas. Il a back après avoir ramené les creeps sous la tour. Ah bon, je vais devoir me focus un peu sur mon move là, parce que sinon je peux crever comme une merde. Oh là, et au bot, ça réussit à faire le kill. On a un soin support les gars. Bon perso, je pense en vrai. Gros potentiel de carry overall. À mon avis, c'est un perso qui a beaucoup de dégâts, qui est quand même très tanky, qui peut forcément focus sur lui. Donc je pense que le perso marche plutôt bien en solo queue. Donc je pense c'est un bon perso à jouer. On va aller poser une ward pour le frérot. Hop là. On va aller poser même une deuxième ward au cas où la lane s'avance. Et on va back. Udyr bot lane. Bien joué. Udyr qui va récupérer les kills. Udyr qui a flashé. Est-ce que nos mates ont flashé? Ils ont. Il a flashé côté Swain. Alors peut-être c'est my bad, hein. Peut-être que c'était à moi de leur dire de faire attention à ce timing. Parce qu'il est vrai que à 3 minutes, après 3 minutes 30, très souvent, hein, les jungles vont faire les scuttles à 3 minutes 30. Et il est forcément possible qu'ils décalent sur les side lanes. Hein. Le scuttle ici n'étant pas pris, il était forcément probable qu'il était en bas. Et comme je me focus un peu sur mes mates, je me focus un peu moins sur ce que fait mon adversaire. Donc là c'est un call que j'aurais pu faire sur le fait que Udyr était probablement bot side. En termes de farm, on voit qu'il a 28 CS, donc en gros il a fait un full clean et le scuttle, donc scuttle est mort. Intéressant. 32 CS, donc il n'a pas back, a priori. Ah si, il a back plus tôt déjà. Parce qu'on voit qu'il a... Il a une épée longue et des bots. Alors on a fait des bots de lucidité. Alors, il m'a enlevé des HP, je lui ai enlevé des HP aussi. C'est fine, well played. Oh la team qui fait le taf. Hein. Alors j'ai pas trop suivi parce que au début je suis un peu useless avant mon level 6. Mais c'est une bonne nouvelle. Il a 32 CS donc en vrai il est toujours un peu devant. La team qui a bien récupéré le kill, c'est parfait. Quelle bande de Krakito. Là le bon dégage parce qu'en vrai le Udyr n'a pas de flash. Donc en vrai il prend des gros risques quand même. Hein. C'est assez risqué je vous avoue d'aller dans la jungle adverse sans flash. En tout cas en plus moi j'ai potentiellement mon ghost encore. Enfin, je l'ai encore, hein, il le sait. Ok, kill au mid. Est-ce qu'il a R? N'hésitez pas à pinguer si votre adversaire a R ou flash. Ah, il est pas level 6. Ok, ok. Ah, s'il est level 6 en face, mais il a pas dû le faire. Peut-être que j'aurais pu tenir la ligne mid. Comme il a décalé, il a pris aussi un retard un peu d'XP. Et il s'est peut-être fait au line level 6. Hein. Là, je me demande s'il est mort par l'ulti de Fizz ou pas. S'il est mort sans l'ulti de Fizz, le Fizz peut avoir envie de le retuer très vite. Alors, petit problème chiant du changement de jungle. Avant, j'avais mon level 2. J'avais mon level en faisant juste bleu et truc à côté. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc là, j'ai plus de thunes parce que j'ai perdu du temps. Si vous faites tout en termes de temps parfaitement, eh bien, vous avez peut-être parfois pas assez pour la Chine. Du coup, ne pas faire la ping, ça peut être un bon moyen d'avoir un peu plus de thunes. Mais ça, c'est si vous perdez pas de temps. Malheureusement, là, les bons dégâts. Le Udyr qui va venir aussi. Là, j'avoue, je ne peux pas trop aider parce que j'ai peur que le Udyr, ouais, Udyr arrive. Ok, en vrai, pourquoi pas. Petite utile de la part de Chine pour essayer de tenter une agression. On va essayer d'aider les lanes puisque là, au top, du coup, forcément, il a pris un peu de retard. Je suis avec lui, mais je peux pas l'aider. Hein. Il va mourir. Ok, bon. Perdons pas de temps. C'est pas très grave. On peut trap ici. Le Fizz va vouloir revenir sur la mid lane. Parfait. On va ghoster. Parce que là, on peut tuer un deuxième mec. On passe pas dans lui, sinon il va vouloir me Q-spell pour passer à travers. Ok, le petit heal qui fait chier. Parfait. On va le slow. On va tanker la tour.
MR. Ben voilà, parfait. Nous avons tué tout le monde. C'est un petit ace, mesdames et messieurs. Ça va être très très bien. La très bonne ward ici était placée parce que du coup, le fils qui va vouloir rotate botlane, il va vouloir revenir sur sa mid lane. Quand il va revenir sur sa mid lane, il va être potentiellement très exposé. Donc c'est le moment où il faut essayer de le punir. Là, dites-vous qu'en gros, je peux refaire ma diagonale jungle et j'ai le choix entre soit faire diagonale bot vers le top, soit diagonale top vers le bot. Je pense que je vais aider ma bot lane parce que en gros, au top, il joue Shen. Donc en gros, malheureusement, un Shen, c'est pas vraiment fait pour gagner sa lane. C'est bien en lane au début, mais au bout d'un moment, malheureusement, ça peut difficilement tenir de ouf, tu vois. On sait qu'au mid, il a beaucoup d'or, forcément, parce qu'il a fait des kills. Du coup, il va vouloir back. Donc en gros, l'idée, ça va être d'essayer d'aider la bot lane à nouveau. Donc on va revenir bot lane parce que pour l'instant, la Kai'Sa n'a pas récupéré les golds de ses kills. Donc la Kai'Sa n'est pas bien dans sa game, elle. Donc on a envie d'aider encore à appuyer un petit peu sur cette Soraka Jhin. Je n'aurai pas de ghost parce que mon ghost a 1 minute 40. Donc là, au top, c'est bien, c'est qu'il a push avant d'avoir back. Il a bien ridé de sa vague, comme ça du coup il perd pas trop de farm. Au mid il a bien passé à back, là c'était important que la Cassio back. Elle a voulu proposer le move du trap ici, c'était très très bien. Et c'est exactement ce qu'il faut faire sur les roams de vos adversaires. Sur leur retour, vous pouvez, voire vous devez clairement les punir hein. Il a pas de vision, il va fait check, et en fait checkant il peut vraiment se faire défoncer la gueule. Là je regarde s'il va pas se faire air. Il a bien raison de s'écarter un peu des trucs pour pas se manger un vieux air. Au top, je pense qu'il aurait pu faire... il fait une Sunfire direct. Je pense que Brimblevest très très bien contre une Fiora. Bon, après ça c'est juste propre matchup, mais je trouve que Brimblevest c'est vraiment très très fort contre une Fiora. Après s'il arrive à tenir la lane sans, c'est ok, mais c'est assez dur quand même de tenir une Fiora sans Brimblevest. Donc là on va arriver bot lane, on va arriver en Ninja Gang, on va arriver par la lane. Comme ça la bot lane peut essayer de bait etc sur le contest de ward. Et c'est parfait, donc là c'est ce qu'ils ont fait. Le Swain se passe devant. Donc Swain qui est vachement sympa, qui essaie de bait pour nous. Je pense qu'il aurait pu reculer un peu sur son bait quand même. Pas besoin je pense de trop s'exposer non plus en perdant son flash. Mais l'idée était très bien de vouloir... on a clairement vu que c'était pour bait. Parfait. Un shy-step le route malheureusement. Ah, on devrait back par contre je pense. Faut pas trop l'empêcher, je vais péter ma ward mais tant pis. Courons à mon avis. Ok là faut se casser tranquillou, la Soraka, elle c'est heal, on se barre. Hein. Je pense que là on peut reset, c'est un peu chiant parce qu'ils vont perdre du farm, mais à mon avis il y a trop de risques qu'on meure, la Soraka est full life, elle a plus de R mais elle est trop bien dans sa game pour l'instant. Donc là juste on reset tranquillou, on reprend la pink ward qui n'a pas été cassée ici. Là je pense petite erreur de Swain, je pense qu'il aurait dû back direct. Là c'est le moment où tu sais, t'as envie de défendre un petit peu, mais en vrai je pense malheureusement c'est pas vraiment worse. Tant pis tu perds un peu de quelques creeps, mais au final quand tu vas revenir sur ta lane, t'auras shop, ils n'auront pas shop, donc du coup tu vas pouvoir reprendre des trades. En général les moments pour attaquer l'adversaire, très souvent c'est quand vous avez shop et lui pas encore. Du coup bah vous avez un bonus de 500 gold par rapport à lui. Il y a de fortes chances que le mec en face n'en ait pas forcément vraiment conscience. Et il prend un trade et il fait il fait mal quand même. Donc au top je peux essayer de l'aider. Mais encore une fois j'ai pas trop envie de jouer sur un Shen. Un Shen c'est plutôt un perso qui va jouer weak side et qui va jouer weak side donc il sert sans ressources. Donc son but c'est plutôt d'essayer de tenir en gros la Fiora. Peut-être gratter un peu d'avance au début. Bon j'ai toujours l'habitude de... Je lis tous les jours hein, que Nadus ça ne sert absolument à rien blablabla. C'est un peu de la mauvaise foi mais ça ne sert à rien avant 40 minutes, la fameuse 40 minutes qui est égale à 6 minutes in-game. Les gens n'ont pas la mémoire du temps. On voit le décalage de Fizz. Malheureusement la Cassio va crever. Il y a un TP quand même du top laner qui a voulu essayer de contest. Et en vrai, c'est pas mal. Malheureusement, il peut pas aider. Mais en vrai, l'idée était là. Enfin, il a vraiment voulu être sympathique. L'idée de vouloir aider ses mates sur un gank était une bonne chose. Sachant qu'en plus, c'est un main mid. Le qui n'esquivera pas ce coup malheureusement. Alors attention parce que Soraka c'est vraiment chiant comme perso pour le coup. Autant j'adore avoir une Soraka dans mon équipe, autant j'aime pas trop avoir en face. C'est quand même un perso bien chiant. Après pour un Nasus ça va en vrai. Dans le sens où Nasus ça fait énormément de dégâts. On va saquer Dragon évidemment. C'est bien joué hein. C'est propre et le combo est nickel. C'est nickel. Rien à dire. Hyper bien joué en vrai. Le Shen qui met un joli item flash sur le boss. Il est là. Il relâche l'aggro, c'est parfait. Là faut le défendre. Faut pas le laisser comme une merde. Alors juste on a pas de vision. Ouais, bien joué. La pink ward. On pique cette truc. Et la tourelle bot qui va tomber. Et le bon taf. On voit le Shen qui essaie de roam. Jink top pour la Fiora. Donc là je vais aider top lane contre la Fiora. Parce que malheureusement, il peut pas la battre. Hein. Même s'il serait 100 fois meilleur que la Fiora, là il peut plus la battre. Il a trop roam. Et plus tu vas roam, plus elle est bien. Donc là, je pense bon réflexe de Shen qui a choisi de swap du coup. Par rapport à la prise de la tour. On va aller agresser cette petite Fiora. Elle va peut-être partir à droite malheureusement. Elle a un raid. Donc là on va air direct. Parfait. On va smite un creep pour courir plus vite. Bon puis je vais ghost. Dommage. J'avais l'occasion de ne pas... Merde. Bon, je pense que c'est un peu dommage parce que j'ai perdu mon ghost pour rien. Ça a incité le Shen à MER. C'est un peu ballot en vrai. Ok. C'est bien. Il va vouloir se faire fish. C'est parfait.
Là c'est bien parce qu'en vrai il la bait. Ah oh, bien joué ça. Très très bien joué ça. Très bien joué le Z. Là on bait le fish du Fizz. Et derrière on Z. Alors là par contre ça va être un peu la merde parce que bot lane on est mouru. Donc là on sait qu'il a E, comme il a E, je vais le détruire. Hein. Très bien joué au Swain, là-dessus qui a bait l'ulti de Fizz. Alors ça c'est un peu risqué en solo queue parce que si vos alliés vous laissent mourir, vous êtes mort. Donc il y a quand même un monde dans lequel en solo queue tu regrettes un peu de bait pour ton équipe. J'aime bien en tout cas le playstyle du Swain de souvent vouloir commit pour son équipe, bait sur lui pour que sa team puisse clean up le fight et tout. Une bonne chose. Je n'ai pas d'ulti, donc sans ulti la fight est moins folle. Ok, on lui fait quelques dégâts forcément. Parfait. On est pas mal en teamfight, je pense qu'on est plutôt favori. J'ai pas de ward malheureusement pour derrière, elle va se remettre dans pas longtemps. Ok, ça se positionne bien là-dessus, on essaie de catcher côté le Swain, c'est très très bien. La chaîne de la Kai'Sa, un peu ambitieux mais pourquoi pas en vrai. Ouais ça passe pas loin et au final on va tous les tuer donc c'est ok. Là. Malheureusement lui je l'aurais pas, ouais. Lui je l'aurais pas. J'arrivais là-bas. Il a plus son E, mais à mon avis, il va temporiser. Hein. On va essayer de le Z. Je cours très vite hein, parce que j'ai des bottes de lucidité. Oh là là, c'est bien joué ça. Il est là. On va lui laisser le kill, j'ai pas besoin. Hein. Je suis déjà assez feed. Parfait. J'ai pas besoin de kill. On va laisser les kills à ma team. Bah bien joué. Hein. Au final, l'agression de Kai'Sa est bien parce que l'ulti chaîne qui a été bien placé encore une fois par chaîne, le chaîne qui va taunt le Jhin. Donc en gros, du coup, on a beaucoup de follow-up à son engage. En termes de late game, faut voir parce que bon, moi j'ai Nasus, donc je vous avoue que Nasus lui dire, c'est pas l'avantage de lui dire, on va pas se mentir. Mais il y a quand même une Fiora en face et Fiora ça scale quand même très très fort. Donc ça peut-être compenser un petit peu, même si je pense pas. Mais au bot, on a la Fiora, la Kai'Sa qui est partie farmer, c'est très bien. Là, faut qu'elle récupère quelques items. Là maintenant, ça va être à moi après de forcer bien le focus sur moi pour que mon équipe soit pas trop attaquée et idéalement leur laisser le plus de kills possible maintenant que moi je vais scale avec les stacks et je suis déjà très big. Là ce qu'il faut c'est juste mon dernier item. Ok, j'ai mon ghost en vrai. Là je vous avoue que moi c'est difficile pour eux de me tuer hein. Donc là mon but c'est de filer mes collègues. On regarde un peu l'état de gold. Au mid il est très bien, au top il est en full low ressources, c'est normal, c'est un chaîne malheureusement. Chaîne c'est pas fait pour ça, fait mal, ça tank et tout, et ça peut récupérer des kills dans les games où ça récupère beaucoup de kills, ça peut tuer hein. Mais je dis pas que c'est ma personne qui peut pas tuer, mais il est fréquent de jouer le ressource avec un... Ok, c'est très bien. M go dessus, M ulti moi. Bonne nouvelle du coup. Là, faut tuer la... Merde, je suis entré dans le plus fiche comme une merde. Bien joué ça, l'ulti qui est bien joué. On va essayer de ghost maintenant. Ok, parfait. Bon, après la Soraka, malheureusement, elle va avoir le bonus de Moose Speed là, qui nous a touché. Mais j'ai encore, malheureusement pour elle, un petit peu de mobilité. Nickel! Bah parfait! Donc là c'est nickel, ils ont forcé focus sur moi, la team qui a bien follow, le Shen qui a bien attendu pour mettre son ulti à un moment où c'était intéressant justement. Et derrière. Ok, bon, c'est my bad peut-être, parce que j'ai voulu laisser le kill, et du coup j'ai un peu tué la Kai'Sa, my bad. En vrai, si j'avais pris le kill, j'aurais pris l'aggro de la tour et il serait pas mort. Donc là c'est mon erreur en vrai. J'ai mal joué là. J'aurais pas dû mettre un Q-spell, mais j'aurais dû mettre une auto-attaque pour prendre l'aggro de la tour et pas mourir. On va prendre tant de mail, parce qu'on est quand même sur une Fiora plus tant de mail, et on va vendre nos bots pour acheter des bots de... Ah, moi j'ai pas assez de thunes. Plus tard. Donc là, on va protéger l'équipe. Le problème c'est que ça va un peu simplifier leur move, mais... Là pour moi c'était un mauvais move là de Swain de vouloir déwarder à tout prix. Je comprends l'envie de déwarder, mais comme c'était un peu risqué. Voyons voir au bot. Le Zhonya de la part de la Cassio pour temporiser, c'est bien. Sans elle était condamnée donc valait mieux Zhonya pour gagner quelques secondes. Hop là. La vision c'est important, mais vous sacrifiez pas pour la vision. En vrai, c'est pas worse. Donc là on va se grouper, je pense que là c'est le moment où il faut essayer de se regrouper pour catcher les gens. Parce que j'ai pas mon level 16, donc c'est le petit bémol. Mais à part ça, c'est un bon moment pour essayer de se regrouper et tout. Parce que attention au top là, à mon avis, il peut se faire catch. On a vu la Soraka, donc comme ça faut être un peu vigilant. Alors le Tuntin me paraît ballsy quand même. Ouais, ça me paraissait ballsy. On va ghoster pour essayer de le revenge. Je pense qu'il est mort pour être honnête. Ok. Bon ça va, on fait 3 pour 1 là-dessus. Bon le Tuntin me paraissait trop risqué, il a une information sur aucune lane. Je pense que c'est pas worse en vrai. Ouais, je suis d'accord pour le call Nasha. Je pense que c'est pas worse de tenter ça en vrai. Une minute pour moi pour le smite, mais j'ai 2 smites donc...
Là pour le coup j'aurais apprécié que quelqu'un prenne l'aggro du Nashor pour que je puisse avoir le dégât double, mais ça c'était un peu tricky à voir. Mais ça aurait pu être intéressant typiquement de prendre l'aggro avec un perso qui a décédé. Typiquement un Swain quand tu fais tous ses sorts, après il a décédé donc du coup il a plus beaucoup de dégâts. Du coup prendre l'aggro par rapport à un personnage physique qui va faire souvent plus de sustain damage peut être intéressant. En gros l'idée c'est de prendre l'aggro du Nashor quand vous ne pouvez plus taper vous-même. En tout cas quand vous avez mis votre burst pour que ça lisse un peu les dégâts tu vois. On va continuer à laisser des kills à nos alliés et on va maintenant voir. Je vais les laisser un petit peu essayer de carry les fights, voir comment ils vont s'y prendre, etc. Comment ils vont juger le fight. Donc globalement je dirais que c'est pas mal, je pense que Shane a bien compris qu'il fallait qu'il joue pour l'équipe. Je pense que le 1v1 contre la Fiora à mon avis est trop présomptueux, je pense qu'il vaut mieux tunt vers l'arrière, quand vous voulez tunt pour agresser quand même, il vaut mieux tunt vers l'arrière pour être sûr de ne pas vous enfoncer dans une bourgade, dans un bourbier un peu dangereux. Même si effectivement c'est toujours compliqué parce qu'elle peut Z, toujours le risque qu'elle vous mette le Z à la gueule. On regarde la dégâts magique, il n'y en a pas tant que ça, en vrai il n'y a pas non plus tant de dégâts que ça, en vrai je suis invulnérable, hein. Ils peuvent pas me tuer je pense. La Soraka qui, je sais pas trop ce qu'elle voulait faire, mais... Ok, elle m'a vu, tranquillou. Alors, je pense que Shen n'a pas multi. Ok, Shen m'a multi, c'est... Je comprends. Voilà, c'est my bad, j'ai bait le Shen sur moi, du coup. J'avais peur qu'il multi, hop là. Mais ça décharge, il peut pas savoir que... En gros, je veux pas trop créer du jeu, je veux qu'ils créent du jeu aussi par eux-mêmes. Je veux aussi qu'ils créent du jeu par eux-mêmes pour voir un peu comment ils vont gérer le truc, tu vois. Ils ont réussi à tuer Fizz en bot lane, en side, c'est pas mal. Au top, on est toujours bien, ça prend la défense de la tour, ça défend bien les tours. On n'est pas naïf sur la Fiora qui peut pusher et qui peut arracher la base. Donc là, je pourrais finir la game, les gars, mais on va jouer tranquille. En tout cas, le Shen a une bonne mentalité, il joue bien en plus. Ouais, il joue pour le collectif et c'est très bien, parce que si vous jouez Shen et que vous voulez pas jouer pour le collectif, malheureusement, c'est pas évident. C'est clairement un perso d'équipe, hein. Donc là, on va regarder un peu comment ils vont jouer. On va les laisser en gros eux créer des trucs et nous on va follow. Avec Nasus moi j'avoue j'aime bien créer du jeu parce que je trouve que c'est un bon perso pour créer du jeu. En fait c'est assez facile de créer des opportunités de catch, créer des je vois une Soraka qui est un peu trop avancée, je la ghost, elle meurt 100%, elle peut pas survivre, c'est impossible. Si je vois la Soraka ici par exemple ou même là, je la ghost et je la tue, hein. Y a aucun monde dans lequel elle peut survivre. Ok. Ok, why not? Ça go in avec le E, on essaie de mettre le taunt. Un petit peu trop tôt le taunt par rapport au potentiel Fizz, mais... Ok, on va les laisser maintenant gérer le fight, on va regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être un petit peu raté, ça arrive. Bon, je vais lâcher l'aggro. Ok, on flash out. Ça dive côté la Fiora, pourquoi, la Kaisa, pardon, pourquoi pas. Malheureusement, peut-être pas assez suivi par les autres. C'est dur à voir en même temps. Parfait. C'est bien, on a été wardé côté de la Cassio, on prend de l'espace. On sait que Cassio ça a beaucoup de dégâts sur le Nashor. J'aime bien ça, on veut le faire au spawn. Pour moi, faire les Nashor au spawn en solo queue, c'est ultra fort. Hein, parce que les gens sont tellement délusionnels de ouf. Ils se disent qu'un Nashor, ça, c'est dur à tuer et tout. Pff, que dalle, hein. Le perso, il est en papier. C'est super simple de faire Nashor, en vrai. On a voulu ton flash, je pense, côté Shen, mais il avait pas son flash. Je vous laisse 4v4. Donc, je vais les laisser 4v4, voir comment ils vont gérer. Ok, le bon route derrière, ça met un bon dégât, ça force la Fiora à dash out. En face, ils savent pas que je suis pas là, donc du coup, ça peut leur faire peur. Hop. T'as l'ulti de Shen derrière, on va protéger la Cassiopeia, c'est très très bien. Le Swain aussi qui essaie de le défendre. L'agression de Kaisa qui veut go in et qui va utiliser sa Gale Force pour pouvoir le terminer, c'est très bien. On flash out pour pas se faire tuer par le Jin. Flash out qui était peut-être pas indispensable, 100%, mais après je suis pas un expert de Jin, donc je vous avoue. Je vais laisser jouer en 4v5 là. Fish qui a été raté par le Fizz. Le bon route là-dessus, c'est bien pour temporiser. Je sais pas si on a un Zonia ou pas. On a pas de Zonia, on a pas d'ulti. L'ulti était déjà utilisé tout à l'heure. Cassio qui va essayer de chercher la backlane. Pas évident d'aller chercher un carré avec un Cassio au début. Enfin, parfois. Ça qui récupère le kill, c'est propre. Ok. Laissez-leur une chance. Vas-y, go back. Ok, défendre la Barentin. Barrez-vous parce que sinon, avec les buffs Nashor, ils vont crever. Ah, ils sont morts. Ah, GG. Eh bah, bien joué. Game intéressante. On a vu des belles choses quand même. On a vu des. On rappelle, on est sur un niveau, en gros, haut silver, low gold, même s'il y a quelques gold de 1 par-ci par-là. On a vu des bonnes choses pour le collectif. Peut-être un manque d'engage, je dirais, overall. J'ai adoré le move de la Cassiopeia sur le trap du retour de Fizz. Ça, c'était extrêmement bien trouvé. C'était très, très bien lu. Kill important, parce que du coup, c'est un kill qui permet, c'est même un double kill qui permet de mettre très bien.
engage avec l'ulti. Derrière, on met les flaques en dessous pour bien empêcher les flashs. C'est très très bien. Peut-être le Z. Peut-être quand vous mettez l'ulti comme ça avec le mec, vous pensez qu'il va reculer. Peut-être mettre le Z un peu plus derrière, je sais pas. Mais très très bien. Des combos de Cassio maîtrisés. J'ai beaucoup aimé Co-First. Impressionnant sur ta Cassio. C'était très très bien. Aller chercher la backline était peut-être un petit peu présomptueux, mais ouvrons en termes de stuff. En termes de stuff, ça me paraît fine. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé.